Salut. Alors aujourd'hui, je te reviens avec un unboxing. Excuse-moi pour la voix, je suis malade, j'ai la tête à l'envers. Mais je tenais quand même à mettre en ligne cette vidéo. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai ma chaîne avec presque 4000 abonnés qui a aussi des unboxings. Et je suis justement en train de séparer les tutoriels, les créations des unboxings. D'où cette nouvelle chaîne. Donc, vous trouverez des unboxings qui existaient dans ma première chaîne qui sont transférés dans celle-ci, dont cette vidéo. Et puis, bien entendu, il y aura des quantités de nouvelles vidéos. Mais sachez que toutes les réalisations et toutes les créations résine, plâtre ou autres seront dans l'autre chaîne. Ici, c'est uniquement réservé au unboxing. Franchement, ma voix, j'aime pas du tout. Allez, vous me suivez? On remet en ligne la vidéo? Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo partenariat avec Bibicraft. Donc j'aimerais que ce soit aussi une vidéo coopératrice, c'est-à-dire que dans les commentaires, vous allez échanger entre vous et puis vous donner des idées de création, des idées de commandes sur ce site, pourquoi pas. Et je vous mettrai donc en barre d'infos le lien du site Bibicraft ainsi que le code promotionnel où vous pourrez acheter avec une jolie remise. Bien entendu, il y a d'autres sociétés qui donnent des codes toujours en bas dans la barre d'infos. Et puis, cela vous permettra donc d'avoir des nouveautés, de nouvelles créations dans vos ateliers et donc de faire cette vidéo coopératrice et pouvoir discuter entre vous avec moi, pourquoi pas. On commence? Allez, c'est parti. Alors, je vous mettrai aussi en barre d'infos les liens de chaque article. Donc, c'est Bibicraft qui m'a directement contacté pour savoir si je voulais faire un partenariat avec eux. Alors, oui, pourquoi pas? Donc, je l'ai fait. Et donc, nous allons commencer par sortir. Alors, ça, je l'ai tout simplement parce que ce que j'avais choisi n'était plus disponible. Donc, ils m'ont demandé de choisir un autre article. Je ne savais pas quoi prendre. Donc, j'ai pris ces grands rubans de paillettes. Alors, voilà, on va commencer par ces jolies perles. Alors, je ne fais pas de bijoux en perles déjà faites. En principe, je fais moi-même mes perles. Mais j'ai décidé de prendre celle-ci parce que je l'ai trouvée jolie. Et parce que ce sera surtout pour des porte-clés ou des bijoux de sac. Oh, voilà, ça accompagnera mes créations résine, bien entendu, en porte-clés et bijoux de sac. Donc, je ferai toujours mes créations, mais ce sera une petite décoration en plus. Elles sont très très jolies. Voilà, je les ai trouvées vraiment sympathiques. Voilà, je vais les mettre ici. Donc, je vous mettrai les références de l'article avec le lien à chaque fois. J'avais aussi choisi ces petites perles en forme de fleurs. Je les pensais beaucoup plus grandes, mais bon, ben c'est pas grave, hein. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont très très jolies. Apparemment, ça doit être des couleurs aléatoires puisque j'ai trois bleus foncés, un bleu clair et un crème. Elles sont vraiment très très belles, donc je pense qu'elles serviront aussi pour des bijoux, pour des petits porte-clés. Voilà, on fera ça comme ça. De toute façon, je vous ferai une vidéo pour chacun des articles. Donc, ce qui fait que j'ai 3 et 2, 5 articles, il y aura donc 5 vidéos à venir. Alors, il y a aussi ces très jolies perles que je pensais beaucoup 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 plus grandes. Voilà. Mais ma foi, elles sont très jolies. Elles sont très très jolies. Il me semble justement que c'était des vraies pierres. Donc, et ben, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'imaginer une création avec ces toutes petites perles. Voilà. Ensuite, ça, je le mettrai à la fin parce que c'est un remplacement. Alors, je vais tâcher d'ouvrir sans faire trop de bruit. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais sur ce site. Alors, ce sont de magnifiques, voilà, parfait. Ce sont de magnifiques petits flacons. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Et je voulais absolument ça parce que je vais l'ouvrir et je parlerai après parce que ça fait trop de bruit.
Voilà, donc là j'ai le bouchon. Regardez-moi ces flacons comme ils sont magnifiques. Je les voulais parce que je voudrais, sur ma boutique d'Écomoule, je vends des sachets de paillettes. Et je trouvais qu'en petits sachets comme ça, c'était pas bien joli, joli. Et je vais voir, oui, c'est bon, c'est assez grand. Et je voulais absolument les mettre dans quelque chose de beau pour que les clients puissent avoir des paillettes, mais aussi le petit cadeau qui allait avec. Donc, alors là, vous avez le bouchon qui ferme bien pour éviter, hop, toute fuite si vous mettez du liquide. Et sinon, pour des paillettes, vous avez tout simplement le joli bouchon en bois avec sa petite cordelette et sa perle en bois. C'est vraiment magnifique, c'est une petite fleur et voilà. Et nous avons donc plusieurs coloris. Donc nous avons un violet, un bleu, un vert. Alors que je fasse attention parce que... Alors là par contre, oui voilà, ils ont chacun pour l'instant, j'ai bien les bouchons qui vont avec. Ça c'est un rose, il est un petit peu plus clair. Donc ça c'est le rose, le joli rose. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on a un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, très joli. Que je ne perde pas non plus les petits bouchons. Ah, on a un jaune. Voilà. Un noir ou un violet foncé? Voyons voir. Un noir. Superbe. Et un rouge. Ah, ça c'est chouette, c'est parce qu'il n'y a pas un, il n'y a pas un doublon. Et le petit bouchon. Voilà, ça c'est génial. Voilà pour ces petits flacons. Ils sont vraiment magnifiques. Alors la contenance, il va falloir que je regarde sur le site. Parce que comme je fais des sachets de paillettes par 5 grammes, je m'y mène toujours un petit peu plus en cadeau. Il va falloir que je regarde là-dessus. Alors ils mettent pas. En plus, c'est écrit en chinois. Donc on va dire qu'on est bilingue. Français, anglais, un petit peu espagnol, mais certainement pas chinois. Alors, je regarderai directement la contenance sur le site parce que là, il n'y a rien de noté. Mais c'est vraiment magnifique, hein? C'est une jolie fleur, hein? C'est superbe. Tout en bois, c'est du verre, c'est pas du plastique. C'est chouette, hein? C'est très très beau. Voilà. Ensuite, nous avons, eh ben, ça c'est un petit cadeau, c'est sympathique, c'est bien, ça fait plaisir parce que c'est toujours toujours très utile. Alors, deux pipettes, donc ça c'est parfait, c'est bien pour les petits moules. Et puis ces petits entonnoirs là, c'est génial, ben, c'est peut-être justement pour remplir ces bouteilles qui nous ont mis ça. Et ça c'est top parce que j'ai déjà, je vous montre ça, hop, j'ai une boîte où je mets tous mes petits entonnoirs, voyez. Mes petits entonnoirs et mes cuillères dosettes, tout est rassemblé. Top, top, deux de plus, c'est topissime. Donc, pour finir, ces deux super gros, gros rouleaux de paillettes. Alors, c'est comme de la dentelle en fait, mais c'est en paillettes. Je sais plus ce que j'avais choisi, qui était en rupture de stock. Et du coup, bah, au dernier moment, ils m'ont envoyé un mail me disant que cet article n'était plus disponible. Donc, j'ai choisi ça parce que je voyais pas trop ce que je pouvais choisir dans leur boutique. Et c'est chouette. Donc, on va enlever la protection et vous allez voir comme c'est joli parce que ça peut se glisser à l'intérieur d'un dessous de verre, couler de la résine par-dessus. On aura déjà toutes nos bandes de, voilà, de paillettes. Regardez comme c'est magnifique. C'est super beau. Les deux sont identiques, hein. Donc, je vous en démontre qu'un parce qu'on a tendance à perdre un petit peu les paillettes. Elles sont bien accrochées, mais certaines tombent. C'est superbe, c'est magnifique. Et ça, dans la résine, ça peut être génial. Je ferai quelque chose avec. Donc, j'ai hâte. Voilà. Donc, n'oubliez pas en barre d'infos tous les liens et le code promo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et puis, bah, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bye, ciao, ciao.